C'est allumé le courant. Ah, ça grince là. Donnez-moi un signe. C'est ce que les vieux ils disaient quand t'avais la chiasse. T'as la courante. Donnez-moi un signe. Pardon, excusez-moi. Je... Leslie West. Leslie West. Leslie West, donnez-moi un signe. Et que le seul endroit où ils se croisent, c'est la pièce entre les deux, entre le garage et les escaliers là. Entre le garage et les escaliers. Leslie West, donnez-moi un signe. C'est la petite buanderie. Ah. Leslie West. J'ai qu'on roule libre. C'est ouais, lâché. Non, je passe une journée de merde. Je casse les couilles. Mon portable il a voulu voler et mais j'ai essayé de le laisser. Il a fait clignoter la lampe ici, mais on sait. Ah, ça a clenché la porte, ça a clenché la porte. Là. UV, UV. Voilà. Vite. Là, là, là. Où ça? Rien. Mais il a clenché cette porte. Ah, là, 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 là. Eh ben, les couloirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à cause de Toby à chaque fois qu'il fait ça. J'étais matrixé. D'ailleurs, faire en sorte que le fantôme éteigne une bougie, ça n'a pas marché, donc pour l'instant. Donc, c'est pas ça. Quel âge avez-vous? Ah non, c'est quelqu'un qui. Il clenchait où cette fois? Clenche. À la cave là. Ouais, j'ai l'impression qu'il bouge énormément. Putain. Il a clenché la porte là. Ouais, tu vois, tous mes capteurs s'allument là, il s'emballe. Ouais. Et il a éteint la bougie, donc c'est bien sa zone, ok. Donc c'est bien ici. Bah, il a traversé Dark, mais il l'a pas. C'est le couloir, dehors. Donc c'est le couloir en angle. Ah, il a acheté le bouquin, ouais, ouais. Alors j'ai pas vu le DOTS moi, pour l'instant. Il a traversé. Je n'ai point vu. Oui, c'est simple à trouver. Il y a quelqu'un qui a joué des maracas là. Qu'il se attaque. Attaque, non. Il attaque. Oh, fuck. Mais non, mais c'est faux. C'est pas vrai. Ah putain, je crois qu'il a... J'ai trop eu peur. Oh, j'ai pissé ma race. Je suis désinstallé. J'ai bien le... Oh fuck. Et moi, je jouais ma vie, hein. Like the Americans say, fuck. C'est... Tu vas voir, le karma, je vais arriver, il va m'attaquer. Vous êtes trop proche pour le DOTS, je pense. Mais sinon, du coup, il y a une planque dans la chambre tout à gauche. Ah, vous avez récupéré le soupin? Mais non. Non. C'est pas encore. Par contre, refermez les placards, les gens, s'il vous plaît, sinon je joue pas bien. S'il vous plaît. Merci bien. Ah, j'ai vu le DOTS. Ah, bon, bah. Ah. Et il a marché dans le sel. Ok. Donc, c'est pas un spectre, c'est pas un goriot. La Banshee, elle a un cri obligatoire. Bah, enfin, pas obligatoire, c'est une chance sur trois à chaque fois que tu poses dans la micro-parabolique. Tommy, prends la parabole pour voir si la Banshee, elle t'aime. Alors. Déjà. Tiens, Toumi. Voilà la parabole. Gigi qui est trop motivé. Tiens, va chercher bonheur là. Tu peux le traverser. Vous pouvez peut-être tester de nettoyer la zone avant qu'il parte. Bah écoute, je m'en occupe. Avec de l'encens si ça vous tente. Oui, j'y vais. C'est comme vous. Voilà. Et puis un petit capteur de mouvement, Toumi, ça te tente? Et tu te dirais pas, hein. Tu veux pas le... Beaucoup trop motivé. tu voudrais pas. T'as un petit capteur là dans l'entrée. Ah, c'est mon capteur. Ça marche pas, le bâton d'encens il marche pas. Ah merde, il a bougé. Putain. Il a bougé le coup. T'inquiète. Ouais, c'est pas un goriot. Chier. Et là j'ai plus rien, donc garage ou chambre du fond. Moi je pense à la cave à cause de l'empreinte. Ou soit la cuisine. Ah non. Donnez-moi un signe. Mes oreilles, bâtard. Leslie West. Donnez-moi un signe. Vous pouvez me jeter un crucifié ici. Ah oui, il a acheté un truc, c'est bon. Orbe. T'as orbe. Tommy, t'as dit orbe. Non, j'ai dit orbe. Avec un DOT, c'est pas possible. Hein. Carrément pas, ouais. Ah oui, d'accord, mes crucifix sont juste à côté, mais bon. Et si on va prendre un capteur de mouvement, je reste avec l'encens au cas où qu'on ait une attaque, mais si vous pouvez ramener un capteur de mouvement pour les mettre sur les étagères de la cave. Ventilateur, là. Il a allumé le ventilateur dans le salon. Ah. Oh non. Ah oui. Il a activé le rocking chair. Ah, il a envoyé valser le bouquin. Ouais, attends, il est à plusieurs endroits. Ça peut pas être les jumeaux. Avec la... Ah, c'est une petite maison. Ouais. Le fantôme se promène beaucoup. Ouais. Se promène beaucoup, ouais. Et potentiellement, on l'a encore, ouais. Ouais. J'ai envie de dire, de toute façon, c'est pas un goriot, oui, parce que je l'ai pas barré, mais c'est pas un goriot. Ni spec. Vous avez pas eu de cri. Rage ou non, sinon il aurait déjà attaqué. On n'a pas eu de cri. J'avoue. Et on n'a pas eu deux. On n'a pas eu de cri jusque-là. C'est vrai. On fait peut-être bien de pas... De pas user l'encens ouais, tout de ouais, suite. Ouais, ouais, ouais.
Ça sent le truc où en fait, je pense pas non plus. Il se déplace entre les deux, entre l'escalier là-haut. Moi, pour l'instant, les capteurs, j'en ai deux d'installés au premier étage et il n'y en a aucun qui fonctionne. Crucifix juste à l'étage. Ah, il est retourné au foyer, à l'entrée. Ouais, ouais, c'est pour ça que je me dis... il est retourné au foyer, mais... Ah oui, d'accord. Il est retourné au foyer, mais il passe pas dans les capteurs de mouvement. Ah, ça y est. Des capteurs de mouvement devant les escaliers détectés. Bien vu. Ok. Donc là, mais ça veut dire qu'il... Ça s'est mis à clignoter, j'ai eu peur pour vous. Nettoyer la zone, ça va être compliqué parce que... J'attendrai qu'il attaque, puis je mettrai un coup d'encens en pleine tronche. Donc je vois par contre niveau planque. Pour l'instant, il est devant l'escalier. Le capteur devant l'escalier s'allume. Niveau planque, avec la blague super drôle que vous me faites tout à l'heure, je sais qu'il y a une planque là, dans la chambre de gauche. Ah, la chambre bleue, ouais. Ouais. Leslie West, donnez-moi un signe. Leslie West, manifestez-vous. Où êtes-vous? Leslie West, donnez-moi un signe. C'est un yokai qui réagit au bruit. Oni, Oni, c'est pareil, c'est... on n'a pas eu de cri. J'aurais que je veux tester un truc de groupe. Il est derrière vous. Pour le nid, on se J'ai met là. J'ai l'impression qu'il vous suit. Oh, pardon. Putain, c'est fini de me prendre en photo comme ça. C'est quoi cette manie, là? Ça va s'arrêter maintenant. Hein. Je rapporte pas d'argent, moi. Ouais, ok, ça passe, mais la prochaine fois, attention. Hein. La prochaine fois, oh. Ça a fonctionné. Si fou. Qu'est-ce qui branle? C'est quoi le truc de groupe que tu veux tester? En fait, je voulais voir si c'était un Oni et venez tous à la cave. On se met tous les trois ensemble, on attend. Et on regarde. Rocking Chair. Ah bah. Le Rocking Chair, il est où? Oh oh oh! Putain, il a acheté plusieurs trucs. Oh, le bruit! Reviens, reviens, reviens. Si vous mettez, restez pas dans la pièce, on sait pas. C'était juste pour... Je voulais juste regarder si j'avais eu l'interaction. Quand soudain, le silence. C'est... Ok, on fait le même test juste en haut. Mais à la porte, si vous avez le courage, sinon c'est pas grave. Faudrait, on a... C'est quoi la preuve? C'est DOTS. Faudrait mettre un DOTS à la cave pour voir si... Je reste avec l'ensemble pour vous couvrir. Ah, capteur de mouvement, mais c'était peut-être vous. Tu le prends? Ouais. Prenez, gardez ce, un qui est à l'étage. Ok, il est en bas, il est en bas. Je vous en ai mis un dans l'entrée. Capteur de on mouvement. On est plus efficace à deux. Exactement. À deux, on est plus fort. Vous avez pas pris du coup le capteur? Ok. C'est pas quel capteur? Le non. Capteur de son. Putain, j'ai eu peur. Il est là, hein, j'ai vu le DOTS, donc il est en bas. Il est en bas. Il y a le capteur. En bas, confirmed. Ouais. En fait, il est tellement pas actif que si j'en mets, en fait, il va être encore moins actif. Il a même pas attaqué encore. C'est quoi qui met beaucoup de temps à attaquer? Putain, mais... Déogène, ouais, j'aurais dit Déogène. Ouais. Je l'enfume, hein. Pas d'apparition non plus. Je vais chercher un autre encens, ne bougez il pas. Il est inexistant, son tour. C'est ouf. Il a validé. Il y avait Vivien. Ah ouais, ok. Il a pas beaucoup de présence, hein. J'avais pas vu qu'il y en avait un. Là, par terre, là. Ouais, ouais, je prends. Ok, bon. Tu me le rends. Donc c'est un fantôme. C'est un fantôme qui bouge beaucoup, mais sa zone est au sous-sol. Ah, il est repassé. Il est passé par ici. Il repassera par là. Pour mettre deux DOTS pour il le voir marcher. Il attaque pas souvent. Attends, je vais chercher. J'arrive. T'as un briquet? Attends, je laisse le encens si vous devez vous défendre. Bah super. C'est toujours intéressant de voir le fantôme marcher. Vous pouvez voir son comportement. Ouais, bah il est pas timide pour se montrer, mais à part ça, hein. Enfin pour passer sur le DOTS plutôt. Mais sinon pas d'apparition. C'est bon, je peux reprendre l'encens. Comment tu as acheté en feu? Ok. J'aime bien faire ça parce que des fois tu peux le voir traverser les deux et tout. C'est un yokai, je sais pas, moi je vais essayer de l'énerver. Donnez-moi un signe, êtes-vous là? J'ai peur. Comment allez-vous? Ouais, dès que j'ai parlé, il est venu vers moi, mais... Est-ce que tu m'entends? Est-ce que je t'attire là comme ça normalement si je te parle maintenant? Est-ce que... Donnez-moi un signe. J'ai peur. Êtes-vous là? Donnez-moi un signe. Manifestez-vous. Donnez-moi un signe. C'est quoi ce fantôme? On dirait une ombre alors que c'en est pas une. Hop, ah, il vient de passer, ouais. On nous chasse. Ouais, il a du mal à se hyper quand même. Fatigué. Alors par contre, du coup, réflexe, go cuisine hein, si c'est un déogène. Ouais. Donc si vous courez, c'est à gauche. Oui. Voilà. Et sinon, en planque, on va dans la chambre. Donc dans... Voilà. Donc à droite. Et comment tu sauras si c'est un déogène? Ah bah, on va très vite le voir. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on va courir...
Ah, il est repassé. Ah, là, il allait un peu moins vite. Il va pas spécialement vite, ouais. Ouais, non, je pense que ça définit pas sa. C'est quoi ? C'est un fantôme buggé ou quoi ? Ah, ou soit c'est une banshee. Et par contre, qu'est-ce qu'il fout là ? Attends, mais c'est pas possible là ! C'est un taillé ! C'est un taillé ! C'est un taillé ! C'est un taillé, on l'a fait vieillir. On reste trop longtemps dans sa pièce. C'est l'autre possibilité, ouais. Mais après, ils attaquent quand même, au bout d'un moment, les taillés. Bah non, s'il est trop vieux, ça enlève. Ses périodes de chasse deviennent ultra rares. Et je pense que quand il attaquera, il sera très très lent. Attaque ! J'ai activé l'encens. Regarde, ça, je pense que c'est un taillé. Go dans la chambre de Gigic. Faut que je vous rouvre la porte ou pas ? Oui. Ah bah, voilà. Par contre, oui. Rentre. Je suis bloqué. Ah, j'ai cru que Gigic avait refermé. Hein. Sinon, non, c'est un déogène et on est tous morts. Hein. J'ai pas touché à la porte. Je n'arrive pas à refermer. Ah bah, écoute. T'entends le bruit ? C'est un taillé qui a grave vieilli. C'est bon, quoi. C'est le plus vieux des taillés. Ouais. Eh, donc c'est ça ? Ah oui, c'est un bicentenaire, là. Parce qu'en fait... Oui, c'est bon, vous pouvez sortir. J'étais en mode, putain, c'est chaud ! Mais en fait, on a tout le temps été dans sa pièce, donc il a tout le temps eu le temps de vieillir. Voilà. C'est de l'or ? Ah, quel bâtard. Ok, eh ben, parfait. Eh non, mais c'était compliqué, mais je suis en mode là, parce qu'en fait, bon, si c'était un DOGN, de toute façon, il serait venu nous tuer. Voilà. Et surtout, il est resté lent jusqu'au bout. Hein. Je l'ai entendu, j'étais en mode bon. Donc, confirmé. Vous avez validé, hein, taillé. Validé. Ouais. Oui. Let's go. Non, mais c'est vrai que, oui, il faut bien se rappeler que le taillé, c'est pas juste il devient lent, c'est il fait moins d'interactions, il fait moins de chasse. Moins de tout, quoi. C'est tout, ça devient le fantôme le plus faible du game. En mode, il fait moins d'interactions qu'une ombre à la fin. Enfin, d'ailleurs, on a eu le temps de le voir. Par contre, d'ailleurs, c'est bon à savoir, le DOTS reste totalement actif sur ses preuves. C'est-à-dire qu'un taillé très vieux droppera quand même ses preuves. Parce que vous avez vu que le DOTS, pour le coup, il avait beaucoup de fréquences. Ça, c'est un truc que je savais pas. Pour moi, les preuves pouvaient être moins fréquentes. Donc, c'est-à-dire que c'est pas compliqué de récupérer les preuves d'un taillé, malgré tout. Et ça, c'est pas rien.